attention. C'est Abbas qui a tué mon frère. J'aurai la pomme, Altaïr. Et j'aurai ta tête pour venger le déshonneur que tu as jeté sur ma famille. Nous te retrouverons. Et tu paieras pour tes mensonges. Maria. Bonne nouvelle, Claudia. J'ai enfin un nom. Manuel Palaiologos, le neveu de l'ancien empereur byzantin Constantin. Je suis pratiquement certain qu'il est à la tête des Templiers. Mais je dois maintenant interroger un traître janissaire, un certain Tariq Parleti, pour apprendre où se trouve l'armée des Templiers. En attendant, Sophia et moi continuons à chercher la seule clé qui demeure cachée. À chaque minute qui passe, mes chances s'amenuisent. Pourtant, je ne peux m'empêcher de savourer les moments que je passe à ses côtés, à entendre sa voix, et à admirer la manière dont son visage s'illumine lorsqu'elle parle de ce qu'elle aime. Ses livres, sa ville, ses souvenirs. J'en finis par appréhender le moment où je trouverai la dernière clé.